il est encore temps. Dans cette vidéo, on va pas vous répéter que le réchauffement climatique, c'est la merde. Il y a des ours polaires qui crèvent sur la banquise qui fond. Bon, ça c'est bon, ça fait 10 ans qu'on le voit, on commence à avoir compris. Avec les canicules de cet été, on sait que le changement climatique c'est plus pour dans très longtemps et à l'autre bout du monde. Et si c'était pas assez clair, les experts internationaux du climat viennent de rendre leur nouveau rapport. Il est partout dans les médias et, surprise, ça sent pas bon du tout. Alors pourquoi on se réunit pour faire cette vidéo? Parce que si on est beaucoup à savoir que c'est la merde, on est beaucoup moins nombreux à savoir qu'on peut agir. Non, c'est pas foutu. Oui, il est encore temps d'agir et maintenant, on va voir comment. Revenons brièvement sur l'info du jour. Les scientifiques confirment que les engagements que les États ont pris dans leur ribambelle de sommet nous emmènent droit à une augmentation de 3 degrés de la température moyenne terrestre en 2100. Alors oui, 3 degrés plutôt que les 1,5 degrés qu'on est sûr d'atteindre aujourd'hui, comme ça. Ça a l'air de rien, mais en fait ça change tout. À 1,5 degré, les espèces disparaissent, certes, mais à 3 degrés, l'océan est partiellement mort. Les céréales poussent mal, les canicules sont 5 fois plus fréquentes et l'eau potable devient une ressource limitée pour des centaines de millions de gens. Wow, ok, on ne souffle pas plus. Mais fallait le dire, parce que ce scénario des 3 degrés, on n'est pas obligé de le vivre. On ne va le vivre que si on ne change rien. Et là, clairement, on ne change rien, ou si peu. Mais pourquoi en fait? Parce qu'il y a des gens, et ils sont vraiment pas nombreux, qui n'ont aucun intérêt à court terme à ce que ça change. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, on a appris que Business Europe, ça c'est le lobby des multinationales européennes, avait toute une stratégie méga secrète pour freiner les objectifs de l'Europe sur le climat. Mais l'autre explication, c'est qu'il y a énormément de gens, toi, moi, en fait presque tout le monde, qui ne se rendent pas compte du rôle qu'on a joué. On ne réalise pas l'impact que peuvent avoir nos actions de tous les jours, et on ne réalise pas la force du contre-pouvoir qu'on peut constituer. Bon, on va pas se mentir, quand on regarde l'ampleur des choses à faire pour freiner le réchauffement climatique et l'effondrement de la biodiversité, ça peut sembler impossible. On a déjà tous ressenti ça, ce à quoi bon, ce on pourra rien changer, ce on n'est pas assez nombreux. C'est vrai, la situation est grave, c'est déjà catastrophique, mais il n'est pas trop tard pour éviter que ça soit encore pire. Encore faut-il savoir que faire et comment. C'est là tout l'objet de cette vidéo. On a réalisé que les objectifs aussi abstraits et lointains que réduire les émissions de gaz à effet de serre ou arrêter la déforestation, peuvent se découper en un ensemble de petites batailles. On a réalisé que le principal frein pour gagner ces batailles, eh ben, c'était qu'on avait du mal à se repérer dans la masse de choses à faire et à s'organiser. Alors, on s'est rassemblés et on a créé un site internet ilestencoretemps.fr pour qu'on appuie là où notre impact sera le plus fort et qu'on remporte des victoires dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Parce que si j'ai pas le pouvoir de stopper la déforestation d'un claquement de doigts, je sais qu'il est encore temps d'empêcher le projet Montagne d'Or, par exemple. Une mine d'or à ciel ouvert en Guyane qui va ouvrir la voie à un nouveau massacre de la forêt amazonienne. Parce que si j'ai pas le pouvoir de changer le mode de vie de tous les Français, je peux déjà manger plus local ou végétarien, réduire mes déchets, moins prendre l'avion ou boycotter l'huile de palme. Je peux aider ces petites initiatives à changer d'échelle. Parce que si j'ai pas le pouvoir d'arrêter demain les énergies fossiles, il est encore temps de tordre le bras à la Société Générale. La dernière grande banque française qui continue de financer les projets les plus sales et les plus destructeurs pour le climat. Impossible de faire plier une grande banque. BNP et Crédit Agricole ont déjà cédé sous la pression. On vous le dit, on peut gagner. Parce que si tout seul je peux pas changer la politique française, il est encore temps de rappeler à nos élus à quoi ils servent. Partout en France, des gens s'organisent, forment des groupes pour mettre la pression sur leurs élus locaux afin que ceux-ci tiennent leurs engagements climatiques. Et ça commence à marcher. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site ilestencoretemps.fr. Sur ce site, tu vas pas pour pleurer et pour te dire que c'est foutu. Tu vas pour faire et te demander ce que t'es prêt à faire maintenant. Tu vas pour voir tout ce qu'on peut gagner ensemble, les campagnes dont on vient de te parler, et pour commencer à ton rythme. Inscris-toi, laisse ton mail, parce qu'on ne va pas s'arrêter là. Toi, moi, chaque personne qui se reconnaît dans ce message, on forme une tribu, celle des vivants et qui veut le rester. Et à partir de maintenant, on va envahir l'espace médiatique. On va harceler le pouvoir politique, on va livrer bataille, on va obtenir des victoires, et tu peux trouver ta place sur le site ilestencoretemps.fr. Et comme ça motive toujours plus de rencontrer d'autres personnes motivées dans le monde réel, on veut aussi te donner rendez-vous. Ramène-toi dans la rue ce samedi 13 octobre. Il y a des rassemblements prévus dans toutes les villes de France. Et puis, faut qu'on prenne conscience qu'on est un paquet à être prêt et à savoir qu'il est encore temps. Et là, maintenant, partage cette vidéo. Ça peut être ton tout premier pas, mais ça peut permettre qu'on soit des millions. Va faire un tour sur le site et à samedi.